Bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie sur l'espèce de Gigantosaurus, le jeu sur PlayStation 4. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait terminé le monde de la jungle. Et aujourd'hui, donc on enchaîne avec le monde 3, le monde du désert. On avait déjà récupéré un œuf, hein, souvenez-vous. Et donc on va essayer d'explorer un petit peu tout ça plus en détail. Hop, vas-y, monte là-haut. Parce que je vois qu'il y a un œuf là où à choper. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore des choses à faire avec eux là, des fois que. Hein? On va jeter là. Ah ouais, il y a quand même des choses. Ah si, si, il y a des choses à choper. Ah oui. Ok, parfait. Première noix récupérée. Très bien ça. Ça, je le prends aussi direct. Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose à choper en dessous? Là. Non, c'est juste un trampoline. Rien d'autre. Oh, c'est rien d'autre. Ouf. Non, ça va, c'est bon. Tout va bien. Et un œuf de récupérer pour cet épisode. Très bien. Alors, ensuite, il y a un œuf là-haut. Alors, par contre, comment je vais le récupérer, celui-là? C'est the question. À mon avis, il va falloir que je fasse tout le tour ou un truc du genre, je pense. Non? Ah bah oui. Je me doute que les cactus, ça pique. Ah, il y a un truc derrière aussi, là. Il y a un œuf là-dedans. Mais qu'il est con. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien. Ah si, ah oui, il y a même un œuf, dis donc. Un œuf. Scorpion. Attendez, là. Il y a des choses à faire ici. Bon, déjà, l'œuf, je le prends. On va le ramener au début. Allez, ramène-moi ça. Sans te faire picouze, mon cher Tini. Ok, parfait. Où est la zone des dinos? Elle est là-bas, je crois. Hein. Oui, elle est ici. Elle est juste ici. Parfait. Ben, ça va vite niveau œuf aujourd'hui, dis donc. On a déjà chopé deux. Alors, le suivant. Je vois qu'il y a un œuf là-bas, par contre comment choper celui-là, j'en sais rien. Hop, à mon avis il va falloir passer par derrière. Ok. Par là peut-être, est-ce que je peux monter là? Oui, je peux monter. Dégage le scorpion. Rien là. Putain, c'est grand quand même, hein. Bon. Ah! On peut faire un super saut ici. Ah oui. D'accord. Ah, je peux encore le faire une fois après. Hein. Ah, mais voilà comment je chope l'œuf là-bas. C'est comme ça qu'on fait. Parfait. Les œufs sont en sécurité. Le sol se met à trembler. Revoilà Giganto. Il va faire face au danger. Giganto s'élance vers le volcan. Qu'est-ce qui lui prend? À nos voitures, les dinosaures. On a perdu bien assez de temps. Ah non, non, mais pas tout de suite, hein. On a autre chose à faire. J'ai obtenu un nouveau trophée, explorateur du désert. Un nouveau niveau disponible. Je me doute, mais je vais pas y aller maintenant. Hein. Mon cher ami. Je te doute que je ne vais pas y aller tout de suite. Bon, les scorpions couchés. Hein. Oh, bah tu vas pas me faire picouze, non? Bon, alors c'est grâce à ça que je peux passer de l'autre côté. Oh, couché. C'était où? C'était là? Non, il y a une noix là-bas. Bon,
il y a une noix ici. Je vais quand même la prendre. Ce qui nous en fait deux. Ensuite, bon, les scorpions, là, dégagez. Je sais pas. Ah bah ça, je prends. Ça nous en fait un. Par contre, j'ai pas encore trouvé Marshall, hein, donc je sais pas où est-ce qu'il crèche. Est-ce que je peux monter là direct? Eh oui, je peux monter là direct. Ça s'arrête jamais? Mais si, ça s'arrête. Ça c'est moche là par contre ce que vous me faites faire les gars là. Hein. Attends, ça s'écroule. Ah, il y a une noix ici. Ok, je prends. Je passe à 3. Alors, ah, il y a un œuf là-bas. Par contre, comment je m'y rends? Ah oui, d'accord, donc là je suis au niveau du... Derrière les cactus. Ok, je vois où je suis. Ce n'est point grave. Il y a de la vie juste ici. Et là ici encore des petits pots pour faire pousser les plantes. Ça nous en fait 3. Alors, par contre, où est la suite? À mon avis, on peut monter là-haut, mais comment on monte? Ah, il y a encore une noix là-bas. Hein. Là-haut, là. Ah, il y a encore un pot ici. Je vais m'en servir, voilà. Ça nous en fait 4. Ah oui, j'allais dire, j'ai jamais fait le test, mais je sais pas si on peut monter comme ça. Attendez, on va tester. Ah non, je peux pas. Dommage. Ah, j'aurais bien aimé. Mais je ne peux pas. Bon. Bah écoutez, si je peux pas. Si je ne peux point. Voilà, mur invisible. Demi-tour. Demi-tour. Alors là-bas, il y a une catapulte. Une catapulte. Non, je voulais que tu me balances. Voilà, parfait. Hop. Par là. D'accord, donc c'est grâce à la catapulte qu'on peut aller là. Ok. Alors là, il y a une noix. On va pas tergiverser dans le camp. Hop, on va aller la choper. Ce qui nous en fait 4. Évidemment, c'est la chute. Je m'en suis un petit peu douté, mais c'est pas grave. Je croyais que j'étais trop court, mais non, c'est bon. Tout va bien. Ah, il y a une noix encore là-bas. Hein. Hop. On va aller choper la noix qui se trouve là-bas tout au bout. Et si je peux revenir après ici, ça m'arrangerait. Hop là, parfait. Cinquième noix récupérée. Plus que 15. Bien. C'est du joli. Ok, parfait. C'est là ce que je veux. Bye. Je me suis pris le cactus. Ok, c'est bon. J'ai mon œuf. Alors maintenant le problème, ça va être d'essayer de retourner dans la zone là-bas. Parce que là, je vais prendre du temps là pour aller là-bas, non? Faut que je refasse tout le tour. Bon, après, ça me dérange pas de refaire tout le tour, mais ça va être long, quoi. On va choper les graines qui se trouvent ici et là. Parce que là, ouais, je peux pas passer, on est d'accord. Je ne peux pas, je ne peux pas passer. Je ne peux point passer. Faut que je repasse là. Je refasse tout le tour. Alors je sais plus par où c'était, je crois que c'était de l'autre côté en plus.
voyage. Par contre, ouais, je vais reprendre ça, ça va m'être très utile. Hop, vas-y, prends ça. On va essayer de récupérer la noix qui était justement en l'air là. Dégage-toi. Elle était là-bas. Hop, ça c'est pour moi, c'est cadeau. Ah, mais en fait, j'avais pas besoin du truc. Il suffit juste que je monte sur l'os. Ok, parfait. Il nous en fait 6. Bon, les scorpions là, dégagez. Non, mais. Ah, et j'ai obtenu un nouveau trophée Critico Bestiole. Ok, si vous voulez. A mon avis, ça doit être pour les scorpions. Ah, il y a un œuf ici. Ah, mais je vais avoir besoin de Rocky là. Attendez. Attends, lâche l'œuf. Rocky, c'est pour toi ça. Voilà. Faites-moi ça. Par contre, le truc, c'est que je n'ai plus le droit au super saut. Ça, c'est dommage. Donc, on va vite aller en rechercher un. On va passer de l'autre côté et je vais aller chercher l'œuf derrière. Très bien. Tu peux passer de l'autre côté, je pense. Bah oui, tu peux. Ah d'accord. Ah ouais. Ah ouais, il y en a vraiment beaucoup de... Ça m'emmène où comme ça? Ouais, ça dure combien de temps ça... Ah non, je vais dire c'est à l'infini ou quoi? Non, c'est bon. J'allais dire à un moment donné, ça doit s'arrêter quand même, je pense. Ma zone à œuf était là-bas, hein. Ouais. Vas-y. Vas-y, mon cher Rocky. Tu peux me déposer 7 œufs, je te remercie. Ok, 5ème œuf de choper. Il ne reste plus que 5. Ça va, on avance bien, je trouve. Alors, ensuite. Ensuite. On va revenir là-bas. On va aller rechercher un super saut. Et je vais essayer de ramasser l'œuf qui était. Qui était dans le trou là. Que j'ai libéré avec Rocky. Alors, l'œuf qui était là, il est là-dedans. Hein. Il est où? Il va être là dans le coin. Il est là. Vas-y, chope-moi ça. Hop là. Vas-y, tu peux repasser là-bas. Attends, en fait, avec le super saut, tu peux vraiment aller partout, quoi. Magnifique. Alors ensuite, là-haut, j'ai vu qu'il y avait un truc là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah ouais, encore un œuf. Hey. Comme quoi, c'est vrai qu'avec le super saut, en fait, t'as pas besoin de tout ça. Hein. T'as pas besoin de visiter avec le super saut, en fait. Hein. Tu vas vachement vite comme ça. Ok. 7ème œuf, il en restera 3. Alors par contre, on va essayer de trouver autre chose, hein. On va essayer de trouver des noix ou autre là, parce que là on fait que de trouver des œufs. Ce serait bien aussi si on pouvait trouver autre chose. Alors, visitons un petit peu la zone là. Là il y a quoi dans l'oasis là? Il va y avoir quelque chose. C'est un petit Marshall qui est en train de boire. Ah déjà il y a un... Ah mince, on peut pas y aller. Je ne
peut point y aller. Bon. Alors, si on peut pas y aller, comment on s'y rend dans cette oasis? Comment on s'y rend là-dedans? Il va y avoir un moyen de monter quelque chose, je suppose. Tu peux pas me dire qu'on peut pas rentrer là. Parce que si j'y rentre, après je vais me dire comment je sors, donc on peut pas y aller du tout. C'est vrai. Ou c'est peut-être pour après alors. Il faut qu'on a tous les œufs. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Bon, alors du coup, on est un peu bloqué là. On va refaire un peu le tour. Je sais plus ce qu'on peut y trouver ici et là, parce que là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est pour grimper ici? Ah oui, c'est pour grimper. Je suis déjà venu en fait ici, non? Moi, je suis déjà venu ici. Je vois très bien ce que c'est. Donc, ce n'est pas là. Ça n'est point ici. Eh oui. Ah, là-bas. Oh là, il y a des choses à faire là-bas, dis donc. Ah, mais il est là, Marshall. Il est ici. Tu es là, mon ami. Et rebonjour, es-tu toujours à la recherche des graines? Je vais te montrer où les planter. Merci mon ami. Alors par contre, pour la suite, c'est bizarre qu'il y ait un cactus qui traîne là tout seul, c'est trop bizarre. Si vous voulez. Oh! Je l'ai vu, ça là-bas. Petite page pour la gigantopédie, là, je l'ai vu. Ah, vous pensiez m'avoir? Eh ben non, vous m'aurez pas. Ok, ça nous en fait deux. Oui, c'est vrai que j'en avais déjà trouvé un dans l'épisode précédent, c'est vrai. Qu'est-ce que... Ah non, c'est une graine dorée, je m'en fous. Je m'en fous un peu. Par contre, ouais, je suis en train de nager, mais pour aller où? C'est bien joli tout ça, mais ça me dit pas où je me rends, quoi. Ah, c'est pour aller là-bas, en fait. D'accord, va là-bas. Ouais, je chope tout seul alors que ça sert pas à grand chose. Bon, après, ça sert à débloquer des trucs dans la galerie, donc ça c'est bien, mais. Ça. Pas grand chose quoi. Qu'est-ce qu'il y a en face? Est-ce qu'il y a un truc intéressant? C'est... Ah oui, il y a une noix. J'allais dire, c'est quand même bizarre qu'il y ait une grosse zone comme ça pour rien quoi. Mais non, il n'y a pas rien justement. Il y a une petite noix. Donc il nous en fait 8. Rien d'autre derrière là? Il n'y aurait pas une page de gigantopédie ou autre, non? Ah non, je suis revenu là, d'accord, je vois où je suis. Ouais, je suis revenu au point de départ, ok. Ça marche. Putain, je crois que ça va être une des rares vidéos où je vais quasiment pas me servir de la map, c'est quand même un truc de dingue. Je m'en servirai certainement plus pour l'épisode suivant, ça, ça va être certain, pour choper le reste. Alors, c'est où que je devais me rendre? Là-bas. Parce que moi, à force, je m'y perds ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Voyons voir un petit peu. Oh là là, c'est le moment où il faut pas tomber, c'est moi qui vous le dis.
Moi je suis le chemin de pétale, hein, moi je vous le dis. J'ignore ce qu'on va trouver à la fin, mais j'y vais quand même. Bon, il doit y avoir un truc super intéressant là-haut, quoi. Il ne peut en être autrement. Ah, il y avait une petite, un petit pétale d'argent là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'il y a là-haut, là, sur cet os, là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, j'ai pas trop envie de descendre, là, je vous avouerai. Non, bah, écoutez, s'il y a rien, on va repasser par là. Ah, mais il y a le super saut, en fait, ici, d'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi il y a un super saut là. Et oui, parce qu'il y a un œuf là-bas. Et je comprends pourquoi. Viens là, toi. Alors là, par contre, comment je vais redescendre? Ça va être une belle question, ça. Parce que là, pour descendre tout en bas, je vais me casser. Je vais... Oh là là. Plouf. Ok. C'est-à-dire, je vais me casser une patte, mais non, c'est bon. Ah, tiens. Je vais aller chercher la noix là-bas, là. Comme quoi, on peut passer à côté, hein. Voyez. Ah là, je vous dis franchement, je serais vite passé à côté de celui-là. Hein. Clairement. Ok, on passe à 9. Alors, je ne sais pas comment tu fais pour nager avec ton œuf dans les bras, mon cher Rocky, mais bon. T'es assez balèze, hein. Allez, sors-moi d'ici. Merci. Alors, par contre, pour retrouver la zone des œufs, bon courage. Ah, on peut passer là. C'est là-bas. J'ai retrouvé mon chemin. Alors, bon, avec cet œuf là, ça nous en fait 8. Parfait. On fait vraiment le plein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il me reste encore? Il y a plein de noix là-haut, en fait. Hein. On va essayer d'aller là-bas. Je vois qu'il y a plein de noix à choper. On va essayer d'en choper un peu, là, des noix, là. Déjà, il y a un pot ici là pour les plantes. Allez, vas-y. Ça nous en fait 6. On va essayer de choper des noix ici et là. Et puis, je pense qu'après, on pourra s'arrêter là. Hein. Bon, j'avoue, ça aurait été peut-être un épisode un peu plus court, mais... En tout cas... Ah merde, je peux pas monter. Ah mince, je peux pas monter. Ah, c'est par là-bas alors qu'il faut que je monte, non? Monter là, oui, il peut monter. Il peut monter là. Ah, il y a des chaussures à ressort, donc c'est grâce à ça certainement que je vais pouvoir. Ah, mais je peux faire qu'un seul rebond, d'accord. Bon, c'est pas grave, je peux passer ici. Qu'est-ce que. Oh! Mais ça, ça m'intéresse grandement. La page de la gigantopédie. 3 sur 5, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va remonter là, on va remonter là tranquillement. Hop, vas-y.
On va essayer de monter ça. Ok, très bien. Tiens, chope ça. Hop, merci. Vas-y, monte ici. Par contre, à quoi ça sert que je suis monté là? C'était juste pour des graines? Attendez, y'a rien ici? Ah mais non, je suis tout en bas de la zone. Non, en fait, je voulais aller en haut, mais je suis allé en bas. Oh, qu'il est débile. Je suis pas du tout dans ma zone, en fait, là. Non mais Loul, je suis pas du tout dans ma zone. Bah écoutez, on va aller faire les 10 trucs directement, hein, vu que les 10 sont là. Autant faire les 10 d'un coup. Hein. Ouais. Bon, on va faire ça. Oh, tu vas avoir un truc là-haut à faire. Hein. Ok, parfait, on a eu les 10. Ça, c'est fait. Hop, vas-y, ramasse-moi ça, parce que pour la zone suivante, il va m'en falloir aussi 2000, donc il va pas falloir traîner assez. Y'a rien derrière, là? Non. Ok. Bon, je suis à combien, là? Bah après, on a fait la moitié, hein. On a passé directement la moitié. Hein. Moi, je serais tenté, à la rigueur, d'arrêter là. Hein. Bon, ça aurait été un épisode plus court, mais moi, je serais peut-être bien tenté d'arrêter là. Hein. Après, je vois qu'on est à une demi-heure de vidéo. Bon, c'est pas mal. Puis comme je dis, on a passé la moitié, donc... moi, j'ai envie de dire, c'est pas aussi mal que ça. Hein. Comment... Ah, c'est comme ça, en fait. D'accord, je comprends. Ok. Parfait. Ouais, je vais choper la noix qui se trouve là-bas, puis on sera bon, hein. T'as la noix et même l'œuf là-bas, tiens. On va aller choper les deux. Comme ça, au moins, l'œuf sera chopé, la noix aussi. Et comme ça, au moins, on sera tranquille ici. Ah non, non, remets-toi. Ah, saloperie. Je me suis fait berner. C'est moche. C'est très moche. Allez, vas-y. Hop. Bon, cette fois-ci, te rate pas sur l'œuf, s'il te plaît. À coucher. Je vais attendre. Voilà, maintenant. Voilà, parfait. Allez, je ramène cet œuf et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Ce sera très bien. Allez, on va pouvoir s'arrêter ici. Donc c'était Top Top donc pour cette cinquième partie sur l'esprit de Gigantosaurus, le jeu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, bah, on terminera le monde du désert et on commencera bah, tout doucement le monde du volcan. Voilà. Et en attendant, bah, moi je vous dis... À la prochaine tout le monde!